Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du MAG saison 2. Aujourd'hui, nous avons installé notre studio chez Bally France, le premier distributeur de machines à sous en France. Au sommaire de ce nouveau numéro, rencontre avec les Miss China Europe, découverte de la tournée des plages 2014, le focus jeu, bien sûr l'image du MAG, mais pour commencer, voici l'agenda. La rentrée 2014-2015 s'annonce chargée en spectacles et en artistes, à commencer par Michel Boujna au Casino du Val-André, c'est le 10 octobre prochain. Patrick Fiori, que nous irons rencontrer, sera à Divonne le 11 octobre, le 7 novembre à Berck. Il passera également sur les scènes du Casino d'Aix-en-Provence et de Saint-Amand-les-Eaux. Stéphane Rousseau en concert, en spectacle à la Grande Motte, ce sera le 16 octobre, le 17 octobre à Aix-en-Provence, le 6 novembre au Casino de Saint-Amand-les-Eaux. Vous retrouverez également Linda Lemay à la Grande Motte le 4 novembre prochain, suivi par Mathieu Madénian sur scène ailleurs le 18 octobre et le 6 novembre au Casino de Roya. Et enfin, Coé sur scène au Palais de la Méditerranée de Nice, ce sera le 9 novembre, suivi le 10 novembre d'un spectacle au Casino de la Grande Motte. Merci beaucoup Iron Man pour cet affichage. Peut-être pour avoir plus d'infos, le Facebook Partouche Spectacle, et vous réservez vos places bien entendu dans les points de vente habituels et à l'accueil de votre casino. C'est le moment de découvrir les offres et opérations qui vous sont réservées en octobre. Du 1er au 30 octobre, c'est le grand jeu de la chance au Casino de la Grande Motte, avec à gagner 3 voyages à Vegas, une Fiat 500, des jetons, un home cinéma. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur la borne Player Plus, éditez votre bon de participation, déposez-le dans l'urne et attendez les tirages du jeudi. Pour en savoir plus, casinograndemotte.com. Du 4 au 31 octobre, c'est l'opération Séduction à Divonne avec 2 Fiat 500 à gagner. Pour participer, rien de plus simple, remplissez le bulletin de participation à l'entrée de la salle des machines à sous, déposez-le dans l'urne et attendez les tirages. Pour en savoir plus, divonne-casino.com. Du 2 au 11 octobre, on double votre salaire au Casino du Lion Vert. Et au Casino du Lion Vert, du 16 au 25 octobre, on paye vos factures. Pour participer, c'est très simple, rendez-vous sur la borne Players Plus, éditez votre bulletin de participation et déposez-le dans l'urne. Plus d'infos sur casinolionvert.com. C'est à vous de jouer et c'est maintenant le moment pour nous de découvrir la rencontre du MAG. Phoenix Télévision, grande chaîne chinoise, en partenariat avec le groupe Partouche, organisait la finale européenne de Miss Chine au Casino d'Aix-en-Provence les 21 et 27 juillet dernier. 12 candidates fraîchement élues pour leur beauté et leur intelligence sont venues de toute l'Europe pour défendre leur chance et représenter l'Europe lors de la finale qui se tiendra en Chine. Nous étions dans les coulisses de cet événement. Regardez. Nous sommes au Casino d'Aix-en-Provence et c'est aujourd'hui que se tient l'élection de Miss China Europe, organisée par l'une des plus grosses chaînes chinoises, Phoenix Télévision. Le partenaire du groupe Partouche a décidé d'organiser son événement ici, au Casino d'Aix-en-Provence. 12 candidates qui représentent les pays européens sont présentes et espèrent décrocher le titre pour représenter l'Europe en Chine lors de la grande finale qui se tiendra en septembre prochain. Pour vous, nous étions dans les coulisses de cet événement très médiatique. Regardez. Je suis en compagnie de Maurice Schulman, délégué général du groupe Partouche. Bonjour Maurice. Bonjour Sébastien. Depuis un an déjà, le groupe Partouche a développé son activité auprès de la clientèle asiatique en Chine et en France. Dites-nous en plus.
Effectivement, le groupe Partouche, depuis une petite année maintenant, a comme objectif stratégique de conquérir et de séduire la clientèle chinoise. Et cela fait maintenant un an que nous avons essayé de développer une véritable stratégie en mettant un petit peu les plats dans les grands, aussi bien des entreprises dans l'industrie des médias ou encore avec des associations de tourisme présentes en France et qui, comme tout le monde sait, a un pouvoir d'achat bien supérieur à celui de notre marché intérieur pour tout ce qui est l'industrie du tourisme. Alors, en dehors du développement touristique, le groupe Partouche a aussi fait un gros travail sur la mise en place de jeux chinois dans ses casinos, avec une expérimentation notamment du Sigbo dans le casino de Forges-les-Eaux et puis un projet de Mahjong. Dites-nous en plus. Notre ambition aujourd'hui est de pouvoir proposer une offre de jeux et de divertissement qui fasse plaisir et qui intéresse cette clientèle chinoise. Évidemment, pour pouvoir y arriver, à nous de leur proposer les jeux auxquels ils ont l'habitude de jouer et auxquels ils prennent plaisir de jouer. Donc nous avons fait ce premier test avec le Sigbo, qui est un jeu présent depuis un bon moment en Chine, à Macao. Maintenant, le jeu le plus joué en Chine reste le Mahjong. Donc nous réfléchissons aujourd'hui à pouvoir proposer en tant que jeu de casino, ce jeu dans nos établissements, mais cela va prendre pas mal de temps. Maurice, merci beaucoup. Merci Sébastien. Et plus d'infos sur le site partouche-china.com. Je suis avec la grande gagnante de Miss China Europe. Félicitations, et je te parle français parce que tu vis en France. Oui, bien sûr. Enfin, je travaille ici et je fais mes études ici depuis 3 ans ou 4 ans. J'aime bien la France ici. Enfin, je bénéficie beaucoup ici et je vais participer au concours de mondial. J'aimerais bien de montrer la belle de Chine et aussi la belle de France à tout le monde. Dans quel état vous vous trouvez? Vous allez bientôt partir en Chine pour représenter l'Europe au concours international? Oui, bien sûr. Enfin, le concours, c'est au lieu à août. Je pense que c'est à août. D'accord, oui. C'est au mois d'août. Ouais. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. On espère que vous allez gagner, que vous allez représenter la France et l'Europe à la finale de Miss China. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Merci, merci. Encore un grand bravo à toutes les candidates pour leur naturel et leur gentillesse. C'est maintenant le moment de retrouver la tournée des plages 2014 dans l'événement du MAG. Et l'événement du MAG, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Depuis 3 ans déjà, la tournée des plages Partouche bouscule vos vacances et vous plonge dans un univers de rire, de plaisir et de folie. Un gros dispositif humain et technique pour votre service. Cette année, nous avons traversé 12 villes pendant 43 dates. Vous étiez 250 000 à nous rejoindre. Nous étions parmi vous sur l'une des dates au Touquet. Preuve en image. Nous sommes sur le point d'arriver au Touquet Paris Plage pour la dernière date de la tournée des plages Partouche. Et c'est au volant de cette petite Toyota Ego, le nouveau modèle X, que nous avons rejoint le Touquet depuis Paris, à la rencontre du public et surtout de l'équipe d'animation des potes qui nous a divertis tous les étés. Alors ça y est, nous sommes au Touquet et je suis en compagnie de mon ami Christophe Porquet qui est le directeur de la tournée des plages Partouche. Comment ça va Christophe? Très très bien, on est au Touquet, on est chez nous, au soleil, que demander de mieux. 12e ville de l'étape, 41e date, vous nous avez régalé tout l'été avec cette tournée. Comment ça s'est passé? Merveilleusement bien, on s'est vraiment amusé avec tout le public, tout le monde était présent en masse, c'était vraiment un grand grand bonheur. Alors un super dispositif qu'on va découvrir parce que moi je veux tout faire, je veux faire tous les jeux qui sont présents, on va rencontrer l'équipe, on va d'abord se changer et on se retrouve tout de suite. Alors Christophe, la tenue? Parfait, c'est impeccable, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. On perd pas une minute, on s'éclate! La Panamera,
tournée des plages par touche, l'événement qu'il ne fallait pas manquer cette année. Nous profitons de la tournée des plages Partouche ici au Touquet pour vous faire redécouvrir le casino Partouche de la rue Saint-Jean. Nouvelle salle des machines à sous, nouvelle poker room, nouveau bar et l'arrivée de la roulette électronique. C'est parti, suivez-moi. Que se termine la dernière étape du Touquet de la tournée des plages 2014. Merci à toutes les équipes de Christophe Porquier, merci au casino du Touquet. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Ciao, 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 ciao! Toyota de nous avoir fait essayer cette toute nouvelle Aygo. Elle est vraiment très fun. Je vous invite à la découvrir sans plus tarder. La tournée des plages que vous retrouverez bien sûr dès l'été 2015. Et Nathalie m'a rejoint. Bonjour Nathalie. Bonjour Sébastien. Alors nous sommes toujours ici chez Bally France. Comme je le disais en début d'émission, Bally est le premier distributeur de machines à sous en France. Effectivement, nous sommes situés à Saint-Ouen, en très proche périphérie de Paris. Nous sommes ici depuis 1971. Nous avions à l'origine, nous distribuions à l'origine les jeux vidéo pour les bars, Flipper, Babyfoot et autres jeux divers. À l'ouverture du marché des machines à sous pour les casinos français, donc en 1988, nous sommes spécialisés dans l'importation des produits machines à sous pour les casinos. D'accord. Alors Bally, on le dit, c'est un distributeur évidemment. Les marques principales qui sont distribuées par Bally sont... Alors effectivement, nous avons la marque Bally, la marque Williams, nous avons la marque Novomatic et une petite dernière, la marque Magic Dream, qui est une marque italienne. Alors toutes ces marques de machines, on les retrouve bien évidemment ici, dans ce lieu qui se trouve à côté de Paris, dans votre showroom, j'ai envie de dire, showroom qui nous permet de découvrir un certain nombre de machines qui sont totalement nouvelles, qu'on n'a jamais vues en casino. Alors c'est exact, nous avons les dernières machines évidemment chez nous, mais nous avons également les machines que nous présentons à l'homologation par les courses et jeux, donc en attendant que celles-ci soient validées par ces services, avant de les lancer sur le marché français. Nathalie, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et avec plaisir Sébastien. Et c'est maintenant le moment pour nous de découvrir le Focus Jeu. Ce mois-ci, en jouant à la main gagnante dans vos casinos Partouche, c'est peut-être vous qui allait remporter une croisière Costa, regardez. Grâce à notre partenaire Costa Croisière, embarquez avec la personne de votre choix à bord du nouveau Costa Diadema pour découvrir la Dolce Vita entre l'Italie et les Baléares. Le tout nouveau navire amiral de la flotte Costa va vous surprendre et vous faire découvrir la Méditerranée sous son plus beau jour. À bord, vous vivrez les expériences les plus inattendues qu'une croisière puisse vous offrir. Le plus grand, le plus moderne, le joyau le plus précieux de la flotte Costa n'attend que vous. Pour en savoir plus, costacroisière.fr. Voilà, c'est la fin de ce mag. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve début novembre pour un prochain rendez-vous. D'ici là, bonne chance à tous dans vos casinos Partouche.